On est reparti, ça y est, pour les deux gros cons. C'est la chanson des évidents. Surcoté, sous-coté, ça c'est sûr, c'est sous-coté. Le plus dur, c'est la fin. Et en plus, au moment où on l'enregistrait, je savais que ça allait être l'horreur au tournage. Et on y est. Allez, on commence. Il arrive à quelle heure, Julien? 14, je crois. Comment, 14? Il chante trop bien. Et les deuxièmes prénoms, c'est lui qui a trouvé. Les deuxièmes prénoms. Les placements de produits, quand tu peux t'acheter les produits. Prouver sa majorité. Oh, regarde cet ongle. Regarde ça, on va le mettre à dispo sur les réseaux. Combien? Bah, on va voir, écoute. Bah, ça, c'est des enchères. Le ciseau est tellement plus stylé que ton doigt de pied. Regarde ça. Ça là. On va aller demander à Arthur de le mettre aux enchères. Rendez-vous vous compte la taille de ce truc. Ouais, on donne à quelle association? On va voir. Une association des ongles, mec. Il faut trouver association spéciale. C'est des ongles pour des enfants, non? C'est où Arthur, les filles, pardon? Pour mettre aux enchères mon ongle. Tu veux un petit sachet pour le mettre? L'ongle de Karl. On va mettre sur eBay, tiens. Putain, les gars, la moustache. Je n'ai jamais porté la moustache. Oui, Golden Julien is in the place. Ton amoureux? Non, regarde ce qu'il a, mec. Si, c'est incroyable, leur relation. David? Et en extase. Tout ça, c'est des échanges qui ne sont pas du tout sur la vidéo. T'es jaloux? Non, non, non. On m'a envoyé une photo de lui avec un livre de la bio de Balladur. Si ça, c'est pas un truc de poteau. Tu recrées un duo, quoi? Ouais. Ça fait comment? McFly et Julien Doré. T'as pas à t'inquiéter de rien? Vous parliez du quoi? Du Z-Event? C'est génial ce qui s'est passé. Vous parlez de ça? Oui, bien sûr. Regardez-moi! It's Golden Juju! On est au Covid, on peut pas se faire de câlins. Ça va bien? Elle est ravie, hein? Putain, mais mec, on se voit enfin! Il y a Golden Julien qui est là! Golden et Julien, juste là! Merci d'être là, ça va être génial. On est heureux, ouais, ça va être génial. Et merci d'être là. Ma femme et mes cousines te trouvent beau, ça me saoule un peu. Voilà. Arthur, viens voir, s'il te plaît. Je fais un masque comme ça. Et couper mon ongle de gros orteil gauche, ok? Il faut que tu crées un compte eBay et on va mettre cet ongle aux enchères. Et. Ça peut se vendre très cher. Ok Julien, donc on te propose de faire les deux essayages, ouais. À savoir l'essayage beau gosse piano, ouais. Puis l'essayage dégueu comme nous. On appellera ça beau gosse piano ou dégueu comme nous. Est-ce que tu te rends compte ce que tu viens faire avec nous comme c'est mais génial? Je suis très content. Mais oui, mais c'est le bonheur, mec. C'est trop bien. Oui, mais peu le font. Arrête, vous avez Barack Obama, David Guetta, vous êtes tout le monde. Je suis trop heureux de t'avoir et tout, mais je me suis coupé un ongle et on va le vendre aux enchères. Un bout d'ongle en bonne santé ou un. Ouais, ouais, oui, si. En bonne santé. Ah, si. C'est quand même vrai. Si, si. Là pour l'instant t'es un peu stylé. Là ça. Stylé? Ah oh, mais je te jure, ah mais moi. C'est le mot qui te vient. Je suis pas beau gosse. Si, là, tu es sublime. Tu es sublime. Sublime. Mais non, t'es pas vraiment. Et vraiment, ça tu veux pas repartir comme ça? Non mais là c'est super. On est bien là. Je le trouve beau. Je le trouve ça beau. Il est trop pas du tout. Moi il arrive comme ça cet été là, je suis là bah ouais frère, vas-y. On y va. Je veux que tu sois dégueu. Mais non mais que je puisse continuer mon chemin artistique. Ouais. T'es marrant toi. Je veux que tu sois dégueulasse. Ah bah oui ouais. Mais non. Mais ça ne change pas tout. Oh, ça change beaucoup, mais attends. Laisse-moi trouver juste un dernier truc. Mais mec, mais... Laisse-moi te proposer quoi de plus que ça? À vos commentaires, est-ce que vous validez la moustache? Que moi je me trouve très très moche avec. Moi j'adore. Mais apparemment les gens aiment bien. Parce que je l'avais dans la vraie vie. Dites en commentaire pour le référencement là, tu sais. Julien, en vrai tu valides vraiment la moustache? C'est dégueulasse. C'est bien quoi? Ouais, t'aimes bien toi, tu kiffes, ouais, c'est cool, ça va, bah, c'est bien. Ça te va bien, en fait je trouve ça, la forme du visage et tout, ça va bien. Je la garde et tout comme ça souvent là. La garde, je la mets hein. Julien, faire gênant. Peut-être que le samedi, samedi mais... Samedi uniquement, ouais. Bon, bah ça me met en confiance, hein. Merci mon pote. Putain, être en chou de ski. Tu peux lancer la musique Arthur et... Action. Tu as bien compris le concept, Golden Julien. Viens t'avec nous. Ah je l'ai mangé droite pendant le truc, tu l'as eu? On ne sait pas à quoi ça sert. Ces choses sont-elles nécessaires? Qui utilise ça vraiment? On est en train de définir la Corée. Et pas celle du Sud et ni celle du Nord, hein. La globale. C'est bien pour une première, il y a des bonnes conneries. Ah ouais, ok, je l'ai. Ouais. Ok.
quand j'y arrivais, il est devenu tout gâché. Plus d'amplitude au global, surtout moi, pour qu'il soit plus marqué encore. Plus marqué, ouais. Beyoncé, c'est vraiment... Il y a un coup de hanche. Un coup de hanche, ouais. Bah ouais. Voilà, voilà, là il est bien, là. Pas sûr pour la moustache, tu jures? Ah ouais? Tu trouves pas que ça fait un peu stylé? Non, c'est dégueulasse. En fait, le problème de la moustache, c'est que, tu sais, j'ai déjà vu des mecs faire de ce gag-là, avoir une moustache, alors que ça, enlève, c'est unique. On enlève. Ouais, je suis sûr que ce sera mieux pour lui. On prend la décision d'enlever la moustache, c'est terrible comme décision. Mais je crois que ce sera payant pour l'humour. We saying goodbye to the moustache. Et là, on mettra une chanson, goodbye to the moustache. Goodbye to the moustache. Goodbye to the moustache. Goodbye, goodbye, goodbye to the moustache. Adios la moustache. Adios la moustache, nouvelle chanson. Adios la moustache. Adios la moustache. Mille fois mieux les gars. Excusez-moi mais mille fois mieux. Non, pas mille mais deux fois mieux. Là j'ai l'air d'un poisson. Là c'est bon. T'as le lien? J'ai le lien. Apparemment il y a un lien. 2,50€, zéro enchère. Oh, oh, il y a côté de Julien. Vous en sortez? On a fini, on a avancé pour donc c'était à août et là c'est tout à toi. Oh là là, il est en train de... Là il est en train littéralement de tous nous baiser. C'est une belle fin, ça. Les caméras sont-elles prêtes? C'est inutile. Tu as bien compris le concept, Golden Julien. Viens avec nous. Oh, oh, regarde, 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 Julien, toi et moi, il y a un truc. T'es scorpion ou t'es vierge? Comme moi. Comme lui. Tu vois? Ah, je vais vous jouer un morceau de ma composition. J'ai assisté à la naissance de mon grand. Mon père est également mon frère. Je suis l'oncle de mes parents. Refrain. Je suis dans l'arbre généalogique. Le père, le fils, le parent, le Patrick. Avec moi. Je suis dans l'arbre généalogique. Le fils, le parent, le Patrick. Je allaite mon chat. Je dis bien. Je allaite mon chat. Ça, et t'arrives à sortir ton pied pour le... Oui. Oui. C'est le meilleur plan que j'ai vu de ma vie. Ensuite, c'est un plan franc, très serré pour pas qu'on voit ses yeux. Tu es réalisateur? Ah ouais, je suis réalisateur, je réalise des petits films. Ouais, tu prends ta branché la caméra au courant? Ouais, c'est bon. Ouais, alors c'est bon. Je gère rien, t'inquiète. Je suis gros. Oui. Les personnages. Les mignons là, vous venez à moi. C'est né quelle date? 19? Non. 16? 17? Non. 15? Non. 19? J'ai passé à 5 pour 50. 21? 19, tu l'as dit plein de fois, non. Ça marche pas. 19? J'ai dit non. 18? Non. 19? 6. T'es né le 6? Non. 7? T'es pas né le 7 juillet? Non. 7 juillet? T'es pas né le 7 juillet? Pourquoi? Je suis né le 7 juillet, la vie de ma mère. C'est vrai? Ouais. Mais c'est ouf, mec! Mais non, mais dis-moi, non, tu mythos, c'est pas possible. Mais non, il mytho pas, ça se voit! Sur ce que j'ai de plus cher. Mais mec, né le 7 juillet 1982. Mec, c'est incroyable! On a beaucoup de points en commun. Toi, t'aimais quand? Non, mais t'inquiète. 7 juillet 1982, à Alès, dans le Gard. Mais putain, j'adore, j'ai passé toutes mes vacances jusqu'à mes 18 ans à Alès. Il s'est transformé en AK. Le duo. Mais mec, il est né le 7 juillet. 7 juillet 1982, à Alès. Vous êtes très complices, vous deux. Mais t'habites où en ce moment? Tu as parlé du binôme? Le quoi? Le binôme, c'était un projet qu'il avait, moi j'étais contre. C'est un minôme, c'est... Qui utilise ça vraiment? Répondez sans bégaiement. Est-ce utile ou inutile? Est-ce habile ou bien futile? Où se trouve leur intérêt? Impossible de répondre sans bégayer. La la li la lo la lo la. Lulé lo la li lé lé. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Mais non, mais remets. You had one job. C'était les mêmes dans le bon sens. Oh là là, mais c'est incroyable les gars. Ça c'est incroyable déjà. Non? C'est le bonheur. C'est génial, on va refaire la même chose en sans Corée. Qu'est-ce que la banane ne bouge pas. Elle reste. T'as vu au début elle reste fixe. La la li la lo la li lé lo lé lé lou lou la li. La banane ne bouge pas. Bravo. Est-ce utile ou inutile? Est-ce habile ou bien futile? Où se trouve leur intérêt? Impossible de répondre sans bégayer. La la li la lo la lu la la la. Moi aussi. Quand Julien de Cassania, tu l'as pas?
Si, ça oui. Extraordinaire. Je connais, mais toi, tu connais tous les clubs des villages? Je connais, Regardez le mammifère avec lequel je travaille. Regardez. C'est incroyable. Regardez ça. Je dois entrer dans le champ à côté de ça. C'est pas une tâche aisée. Sans bégayement, non, allez, est-ce utile ou inutile? Je ne sais pas, habile ou bien futile. Vous savez, mon se trouve le rigoler. La même chose, on y retourne. La la li la li la lola. La la li la lolulu. Mais viens! Mais je sais pas le faire! Je sais pas le faire ce truc! Il est sorti! C'est bon! Tellement bavé en plein Covid. Il est sorti le truc, ouais. Au début. Ça fait une belle fin, ça.